Naghib Shanbehzadeh. Merci. Alors Arthur, c'est le grand saut. Est-ce que vous avez envie de connaître ce texte? Je veux ça. Comprenne qui peut. Moi-même, j'ai du mal à brûler. Autrement naissait sous les arcades une pluie bienfaisante qui laissait libre cours à ses soubresauts passés. Personne ne voyait d'interruption inattendue et grave dans ce flot subtil et mal fagoté de la pluie sous les arcades. Pourtant, tout ne suivait pas son cours habituel. Les petits enfants qui passaient dans les allées entravées, eux le savaient. Eux le voyaient. Ils déguerpissaient rapidement pour ne pas négliger le farceur astral qui lançait quelques signes aux plus attentifs et distraits. Enfin, distraits d'une façon particulièrement propice à l'écoute, j'aurais pu dire curieux. Plus loin, dans un vacarme ému, sans phare ni poudre aux yeux, une vache paissait tranquille. Celle-là, depuis longtemps, elle revenait souvent à un petit lopin déjà désherbé, qui semblait lui convenir mieux que le reste du champ. La soif vint à elle et aux enfants des coursives, plus vite que prévu, et on envisageait d'envoyer des canadaires pour satisfaire l'entièreté du peuple, animaux compris. Sans plus de connivence avec les habitants précaires, le ministre vint délicatement déposer une gerbe sur le lopin désherbé de la vache. Sur le lopin inculte désormais de la vache. Sur le lopin. Trouvailles amincies du corps de l'autre prolifère. Déchante au mois de mai. Prise en déliquescence sur le parvis de l'église. Sursaute à point nommé quand le taxi s'arrête. Reviens-nous du chemin. Reviens-nous chez les voisins. Reviens du périmètre interdit. Électrifié, revient du lopin. Du lopin, un culte désormais de la vache. Merci Arthur.